Et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des scorpions et je vais utiliser pour votre tirage, cher scorpion, waouh, ça commence fort. Et donc ici, je vais utiliser l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau et une carte issue de l'oracle des rebelles sacrés que je conserve pour la fin. Allez, c'est waouh, ok. Alors, c'est vraiment incroyable parce que vous êtes l'avant-dernier signe. Et Aniel, l'énergie d'Aniel, l'énergie de Vénus, l'énergie de l'amour est sortie sur, je sais pas, peut-être 4, 5 ou 6 tirages déjà. C'est vraiment incroyable. Donc c'est une énergie très forte qui nous accompagne. Et Aniel, donc comme je vous le disais, il est associé à Vénus et c'est un archange qui va favoriser les rapprochements, qui nous rend plus séduisants, plus charmants, plus sensuels, qui augmente la confiance en soi, qui va favoriser les sympathies. Voilà, il y a un peu une idée d'établir des liens affectifs, voilà, d'une manière naturelle parce que vous allez rayonner quelque chose de spécial plus que d'habitude, voilà. Mais bon, il y a beaucoup de signes en fait qui sont dans cette énergie. Alors, on va voir ce que nous réserve votre tirage. Alors, sur la première ligne, nous avons la carte 34 qui est la carte du recul. Nous avons la carte de la régénération, pardon. Nous avons la carte de l'aventurier et la carte de l'amour. Alors, je vais commencer par l'énergie générale de cette ligne. La carte du recul, la carte 34, c'est une carte qui nous dit que, alors peut-être certains d'entre vous vivent des difficultés. Et on vous dit que ce que vous êtes en train de vivre là en ce moment en termes de difficultés, peu importe le domaine, alors ça peut être dans le domaine amoureux, mais avec l'amour, on peut être aussi dans les associations, hein, voilà. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une guérison en cours. Là, ce qu'on vous dit, c'est que de pas vous décourager et de prendre cette distance parce que ça va laisser de la place à la nouveauté. En gros, ce que nous dit cette carte, c'est ce qui vous tue pas vous rend plus fort. Hein. Donc là, c'est ayez confiance dans le fait que la roue tourne et que vous allez sortir grandi de la période que vous êtes en train de traverser. C'est peut-être d'accepter les choses telles qu'elles sont, peu importe la situation que vous êtes en train de vivre. Ce qui est fou, c'est que ici, juste après, nous avons la carte de la régénération qui, elle, est en train de, qui nous parle précisément de ce renouveau. Alors, est-ce que vous êtes déjà dans cette énergie-là de prise de recul par rapport à une situation, peut-être une relation amoureuse, etc. En tout cas, voilà, la régénération, c'est le renouveau, c'est la reconstruction, c'est la guérison. Il y a des regains de sentiments. Alors, est-ce qu'on a accepté de mettre la distance à un moment donné par rapport à une situation et ça nous a permis de comprendre des choses? C'est possible. Soit parce que justement on a pris du recul par rapport peut-être à une histoire et du coup maintenant on est prêt à recommencer quelque chose de nouveau parce que là avec la carte de l'aventurier on part vers de nouveaux horizons hein. Donc soit on redonne un nouvel élan à son couple peut-être après un break avec la carte de l'aventurier, on est quand même dans les expériences nouvelles. On est, il y a une espèce d'esprit de conquête, vous voyez, voilà, je pars à la découverte de nouveaux horizons. Alors, moi, j'ai l'impression que cette prise de recul, elle a permis cette guérison, et maintenant, c'est un peu comme si elle vous ouvrait le champ des possibles. Ce qui peut emmener, en fait, précisément, parce que là, on est avec Aniel, vous voyez, on est dans la même énergie, on est dans l'énergie de Vénus. Donc là, ça peut emmener une rencontre sentimentale. Si on est en train de parler du domaine professionnel, peut-être que vous avez laissé une situation derrière vous, peut-être que vous viviez une situation compliquée. Voilà, vous avez trouvé des solutions, et puis vous engagez dans quelque chose de nouveau. Et voilà, la carte de l'amour, elle nous parle de ça aussi, hein. Elle nous parle aussi de peut-être d'association. De faire quelque chose que vous aimez, voilà, d'aller vers quelque chose que vous aimez, de laisser quelque chose qui est un peu compliqué. Mais là, en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit vraiment sur cette première ligne, c'est la prise de recul, le fait de prendre la hauteur, d'avoir confiance dans le fait que la roue tourne, que ce que vous vivez en ce moment, si vous vivez des difficultés,
C'est parce que vous avez la capacité de les surmonter, autrement vous n'y seriez pas confronté, et que de toute façon, la guérison est en cours. Et ça va vous ouvrir le champ des possibles, en fait. Donc, ne restez pas focalisé sur une énergie, voilà, ou sur le passé, ou d'être bloqué sur vos difficultés, parce que cette distance, elle va vous ouvrir des horizons. Qu'est-ce que je disais? Donc, excellent. Ici, on a la carte des possibilités, on a la carte du plaisir, du faux pas, du karma et de la révolution. Alors, est-ce que vous arrivez à voir toutes les cartes? Parce que là, du coup, vous en avez un peu plus que la moyenne. Hop, ouais, je crois que c'est bon. On va essayer de les aligner correctement. Voilà, je crois que vous voyez tout là. Alors, la carte des possibilités, c'est une carte géniale, qui est extrêmement positive et qui vous dit que vous avez de nombreuses opportunités qui vont se présenter à vous. Peut-être de demander conseil à des personnes pour précisément faire les bons choix, parce que la carte du faux pas, elle nous dit qu'on peut faire un mauvais choix. Alors, est-ce que il y a beaucoup de rencontres que vous allez faire peut-être dans le domaine sentimental? Mais j'ai l'impression que ce tirage il est axé quand même sur le domaine sentimental et que peut-être vous allez avoir plusieurs personnes en face de vous. Parce qu'il y a cette notion de plaisir et puis il y a cette notion de faux pas. Bon, soyez attentifs, parce que le faux pas, ça peut être aussi, voyez, la faute, ça peut être aussi l'orgueil, hein, c'est-à-dire qu'on est tellement flatté avec Agnelle, on attire tellement, qu'on est une, on attire tellement les gens autour de soi que du coup, on ne sait plus trop où donner de la tête. Il peut y avoir une idée comme ça. Alors attention parce que avec la carte du karma qui nous parle de transformation, là il y a peut-être le retour d'une situation passée, mais il y a un rapport aussi de cause à effet. Donc attention en fait là à toutes ces possibilités. Soyez clair, soyez honnête le plus possible parce qu'il y a un possible retour de bâton si c'est pas le cas, si vous faites un faux pas. Voilà, les choses elles sont dites clairement, hein. Comme ça on prend pas de gants. Mais en même temps, avec la carte du karma, ce dont ça nous parle aussi, c'est que c'est une épreuve libératoire. C'est aussi un cycle de transformation. Donc vous êtes peut-être arrivé à la fin d'une période. Parce que vous avez pris ce recul, vous êtes parti dans un nouveau départ, etc. Donc peut-être que vous en profitez pendant un temps et en même temps, là, vous allez rentrer dans un. Vous faites tourner la roue. Voilà, il y a vraiment une notion de transformation. Par contre, là où je vous dis que potentiellement il peut y avoir un retour de bâton, c'est qu'avec la carte de la révolution. On est vraiment dans un changement radical. Il peut y avoir une forme de désordre, vous voyez. Alors, il y a une dynamique nouvelle. Il y a vraiment ces deux options-là. Je crois qu'en fait, on jongle. Soit vous allez profiter de la vie et vous libérer peut-être d'une situation qui a été difficile, dans laquelle vous êtes resté coincé, et puis vous avez dit stop, il y a cette guérison, on profite de l'existence, il y a beaucoup de possibilités qui vont s'offrir à vous. Voilà, et donc du coup, ben là, on est dans quelque chose, dans cette libération d'une certaine manière. Et la révolution, elle peut amener aussi une dynamique nouvelle. Vous voyez, elle peut aussi provoquer du désordre. C'est pour ça qu'il faut, voilà, en fonction de ce que vous allez vivre, soyez attentif. Peut-être au faux pas que vous allez faire, au choix que vous allez faire, parce que ça peut créer du désordre ou alors ça peut créer une dynamique nouvelle dans une énergie qui est extrêmement positive, comme on a pu le voir sur la première ligne, c'est-à-dire cette énergie de guérison, cette énergie de nouveau départ, cette énergie de je vais de l'avant et je recommence à vivre parce que peut-être à un moment donné j'avais arrêté de faire ça. Ça peut nous parler si je retourne sur le plan professionnel aussi de plusieurs offres ou peut-être de demandes que vous avez faites qui peuvent amener à un déménagement ou à une mutation.
C'est aussi une des options possibles, ce qui va créer précisément un changement radical si vous partez dans une direction totalement différente. Alors maintenant, je veux absolument savoir ce qui va se passer après. Ok, ah génial. Bon, on est vraiment dans l'amour, hein, je crois. Hein. Parce que cette carte-là, la carte 47, elle nous parle de. Elle nous parle de ça, elle nous parle de d'épanouissement. Alors, ici, il y a un choix à faire, naissance et succès. Alors, ok. Alors, je vais commencer par l'énergie générale qui nous dit que justement, précisément, vous êtes sous de belles influences sur le plan sentimental en ce moment, que s'il y a des agitations, voilà, s'il y a peut-être un retour de bâton, etc. Là, ce qu'on est en train de vous dire pour le coup, c'est que les agitations ne vont pas durer. Là aussi, par rapport aux difficultés que vous rencontrez, c'est encore une fois une confirmation que les agitations ne vont pas durer et qu'elles vont finir par laisser place à un réel épanouissement. Ce qu'on nous dit là, c'est que parmi les possibilités là que vous avez expérimentées, pour moi, il y a un nouveau départ. C'est-à-dire que parmi toutes ces possibilités, et à un moment donné, vous allez devoir vous positionner. Ce que vous allez entamer, alors, malgré les difficultés, que ce soit relationnelles ou professionnelles ou autres, là, on vous dit de ne pas vous laisser influencer s'il y a des divergences, parce que même si elles apparaissent là maintenant, ça reste quand même soit un projet, soit une relation solide et qui a toutes les chances d'être durable dans le temps. Voilà, il y a vraiment une construction de base pour une relation solide et harmonieuse et épanouissante. Hein. Il y a peut-être un besoin de faire quelques concessions, mais c'est une relation ou un projet, parce qu'avec la carte de la naissance, on peut être aussi voilà, dans un nouveau départ. Bon, avec la carte du succès, c'est clair, hein, j'ai envie de vous dire, mais qu'il y a cette réussite et que c'est durable. Donc tout ça, vous savez, cette énergie, la 47, pour moi, il y a vraiment cette notion de s'il y a des divergences, s'il y a un début de relation qui est difficile, s'il y a un début de projet qui est difficile, ne vous focalisez pas sur les détails, voilà. Et c'est peut-être ça, les difficultés que vous rencontrez en ce moment, peut-être que vous vous focalisez sur les détails et que cette prise de recul, en fait, elle va vous permettre de faire les bons choix pour avancer, soit dans une relation, soit dans un projet. Un projet ou une relation qui sera couronnée de succès, hein. Parce que là, on est dans la réussite. J'ai l'impression que s'il y a des personnes qui font une rencontre, ça va être vraiment une belle rencontre. Mais ça va peut-être pas être la personne sur laquelle vous allez tomber directement, parce que précisément, il y a cette notion de possibilité et cette notion, à un moment donné, de vous positionner. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va devenir évident, quelque chose qui va devenir une histoire qui va devenir ou une rencontre qui va devenir plus sérieuse. En tout cas, ici, il y a un aboutissement, il y a une concrétisation, il y a une issue favorable avec la carte du succès. Donc, il y a peut-être des histoires d'amour. Il y a une histoire d'amour peut-être qui, dans quelque chose d'un peu superficiel, qui va se produire dans un cadre peut-être festif ou de rencontre. Il y a quelqu'un qui va sortir du lot et avec qui ben, vous allez sûrement construire quelque chose de plus important. Alors, dans l'oracle des rebelles sacrés, nous avons la carte 37 qui est la carte Concentrez-vous sur la lumière. Ce que me dit cette carte-là, avec ce tournesol-là qui se tourne vers le soleil, c'est que faites attention à l'utilisation de votre pouvoir précisément. Et que aussi, alors il y a plusieurs messages pour moi dans cet oracle.
C'est qu'il y a de la magie en fait qui est en train d'opérer dans votre vie et qu'il y a des synchronicités qui vont se produire. Il y a une espèce de timing parfait, des opportunités qui vont apparaître devant votre porte. C'est exactement ce qu'on vous dit là. Et que peut-être que vous allez avoir l'impression que vous êtes vraiment dans une espèce de grâce. Voyez, vous allez vraiment attirer les personnes, c'est ce que nous dit Agnelle. Il y a quelque chose de lumineux en fait qui se produit et qui va pouvoir entraîner, on l'a vu avec la carte de la guérison, des changements qui sont assez spectaculaires en fait dans votre existence. Et là, en fait, ce qu'on vous dit aussi avec cette carte, c'est précisément d'être attentif, d'être dans cette énergie de lumière, de laisser grandir la lumière en vous et de ne pas vous accrocher à ce qui fait de la résistance. Voilà, et peut-être par rapport à ces difficultés et à cette prise de recul dont on est en train de parler, parce que si vous faites de la résistance, si il y a des peurs, si cette lumière, si cette énergie, elle ne peut pas circuler librement, vous risquez de passer à côté de quelque chose. À côté de ces changements spectaculaires. Donc là, on vous dit que ce serait dommage justement de rester dans cette énergie qui vous maintient enfermé en fait dans un schéma. Alors peut-être que certains vont avoir peur de ne pas être à la hauteur, ou peut-être incapables de continuer, ou peut-être qu'ils vont ressentir précisément des problématiques. Ou avoir des soucis, l'impression d'être entravé dans ce champ des possibles justement qui se propose à vous. Mais là, on vous dit que vous pouvez simplement apprécier ce qui s'offre à vous. Vous voyez? Et de vous concentrer vraiment sur ce qui est important, parce que c'est l'intention de votre cœur qui va faire la différence. Plus votre cœur est pur, plus votre cœur est lumineux, plus vous allez attirer des personnes qui sont en rapport avec vous. Là, on vous dit que c'est un peu comme si il faut que vous soyez attentif à la manière dont vous allez utiliser votre pouvoir parce que j'ai l'impression que vous avez ce pouvoir d'attraction là. Faites attention et c'est peut-être une leçon en fait qui va se proposer à vous avec la carte du faux pas, du karma, etc. En fait, que ça ne gonfle pas votre ego tout ça et que au contraire vous restiez dans cet agenda du cœur. Peut-être qu'il peut y avoir des jeux de pouvoir justement parce que vous avez un excès de confiance en vous, parce que vous rayonnez tellement et que vous attirez tellement de personnes à vous. Donc là, il y a deux options possibles. Soit vous utilisez cette énergie super puissante là qui vous accompagne pour planter des graines en termes de construction et de faire des choses sur du long terme. Soit vous pouvez aussi planter les germes de votre destruction. En fait, il y a vraiment ces deux options. C'est ce que je ressentais hein, dans le tirage. C'est assez marquant. On peut être dans les deux extrêmes. On peut être vraiment dans les deux extrêmes. Donc là, en fait, le conseil, c'est concentrez-vous sur la lumière. C'est pas concentrez-vous sur l'ombre. C'est un peu comme si vous allez avoir l'occasion de faire don de ce qu'il y a de meilleur en vous, de ce qu'il y a de plus beau en vous. C'est comme si on vous disait profitez du succès, prenez-en conscience du succès qui va se produire à vous, mais ne l'utilisez pas, voyez, ou ne vous laissez pas distraire par lui. N'oubliez pas l'essentiel. N'oubliez pas ce que vous voulez créer et pourquoi vous voulez le faire. Dans tous les cas, restez sincère avec vous-même. Il y a quand même ce message-là, qui est assez fort dans cet oracle. Dans ce champ des possibles, là, précisément, il y a un autre message dans cet oracle qui vous dit de ne pas vous laisser distraire par les autres chemins. C'est peut-être, vous voyez, avec la carte du faux pas, il y a une notion de mauvais choix, de mauvaise décision.
Donc c'est une des options possibles. Donc soyez attentif à ça. Voilà, un être informé en vaut deux. Donc ne vous laissez pas distraire par des possibilités où vous savez qu'elles ne mèneront à rien et qui vont simplement nourrir votre ego. Le succès va arriver rapidement, c'est ce que nous dit cet oracle, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se construire d'une manière très forte pour vous. N'oubliez pas cette notion de timing, qu'il y a une perfection dans ce qui est en train de se produire, mais c'est qu'il y a aussi quelque chose à apprendre. Et j'ai le sentiment qu'en fait, c'est en termes d'intégrité vis-à-vis de vous. Vous voyez, d'être vraiment en conformité avec la meilleure version de vous-même. Voilà, pour pas avoir à le regretter à un moment ou à un autre. En tout cas, c'est l'énergie de ce tirage. Voilà, cher Scorpion, faites-moi des retours parce que je veux savoir ce qui s'est passé pour vous. Ce serait vraiment trop bien.